Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouvelle ici, mes belles, soyez les bienvenues. Je vous accueille à cœur ouvert et à bras ouverts. Installez-vous, mes belles. Sur cette chaîne, je me suis donnée pour humble mission d'encourager et de booster les femmes dans la diaspora, celles-là qui ont pris la ferme décision de réussir leur vie loin de chez elles, parce que c'est pas facile de réussir loin de chez soi. Et aujourd'hui, nous parlons de réussite justement. Nous allons parler de la capacité de notre cerveau à nous aider à réussir ou pas. Nous allons surtout parler de la santé mentale. On va se tenir sur l'exemple de l'événement qu'a vécu l'ancien président des États-Unis, M. Donald Trump, pour nous édifier aujourd'hui. Il y a quelque temps, justement, il a été confronté à une situation qui nous a laissé tous à gare, je crois, lui-même en premier, et qui a révélé chez lui une réaction que les gens n'attendaient pas vraiment. Et c'est ce détail qui va nous aider aujourd'hui à parler de la psychologie de l'humain par rapport à la réussite ou pas. Quand il était par terre, vous avez tous vu, il a fait une chose. Il a surtout dit quelque chose. « Let me get my shoes ». Vous imaginez un moment pareil dans la vie d'un être humain. Tu es entre la vie et la mort. Une expérience de mort imminente. Mais ce que tu demandes en ce moment, c'est qu'on te donne tes chaussures. Let me get my shoes. Je vous assure qu'il y a des personnes qui ont fait des vidéos pour tourner cela en bourrique. Mais je viens vous dire aujourd'hui, cela était la manifestation de qui l'homme est. Si vous avez un peu étudié la vie de M. Donald Trump, vous allez comprendre que c'est un grand homme. Il est magnat de l'immobilier aux États-Unis. Et à côté de ça, dans son curriculum vitae, vous verrez président des États-Unis. Ce n'est pas une personne lambda, c'est quelqu'un qui a un passé de réussite, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit de réussite et de solution. Et le fait qu'en ce moment, il demande ses chaussures n'est pas anodin. Vous savez, nous connaissons tous des chocs marquants dans la vie. Et ces chocs brutaux nous poussent souvent à des réactions, la fuite, la lutte ou le figement. Et dans son cas, nous avons vu, c'était la lutte. Tout a exprimé cela. Le fait que M. Donald Trump dise « Laissez-moi prendre mes chaussures, let me get my shoes. » Les chaussures représentent la stabilité, la sécurité, le mouvement. Vous vous rendez compte en ce moment où chaque être humain vit la déconnexion au niveau de son cerveau. Parce que le cerveau, dans le souci de te sécuriser, va déconnecter les neurones du cerveau intelligent. Parce que c'est le cerveau de la conscience, le néocortex, qui va t'aider à comprendre que maintenant, tu es en train de souffrir. Alors, ce que le cerveau fait, c'est qu'il propulse tes pensées vers le cerveau de la survie, le cerveau primitif. Et les gens, généralement, cherchent la sécurité à ce niveau. Donc, pour lui, la sécurité, c'était la lutte. S'accrocher à la vie en ce moment. Et quand ils se lèvent, parce que certaines personnes ne se seraient même pas levées, ceux qui sont dans la dynamique de la fuite allaient ramper vers la sortie. Et ceux qui sont dans la dynamique du figement allaient être figés, on allait les porter vers la sortie. Mais celui qui est dans la dynamique de la lutte, il se lève pour se dire à lui-même, je suis en vie et je suis debout. Je suis ici pour une mission et je suis en train de l'accomplir, quelle que soit la circonstance. Il ne se lève pas seulement, mais il met son poing en l'air. Et il regarde en plus, c'est-à-dire qu'il est dans une inconscience de survie. Il regarde à son public pour leur dire, luttez, 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 fight, fight, fight. Parce qu'en ce moment, ce qu'il était en train de vivre, c'était une lutte intérieure. C'était sa manifestation. Et pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il est une personne de succès. Il est une personne de réussite. Maintenant, pour nous dans la diaspora, énormément de femmes vivent en mode survie, soit par la fuite, soit par la lutte ou par le figement. Plusieurs personnes se demandent pourquoi il n'est pas facile de réussir dans la diaspora. Mais belle, la santé mentale. Nous n'avons pas eu cette éducation. Surtout quand on vient de nos origines, de mon origine, de mon continent. On n'a pas connu ça. Nous avons les palabres sous la tente qui nous aident beaucoup parce que c'est la communication, les conversations qui sont aussi très thérapeutiques.
Nous avons aussi cette tante que nous appelons quand nous sommes dans la diaspora ou parfois nos mères que nous appelons pour avoir des conseils. Mais c'est des gens qui ne vivent pas dans notre contexte. Alors, certaines autres diasporas utilisent d'autres alternatives, la thérapie par exemple. C'est des choses que nous ne connaissons pas. Je souhaite t'encourager, ma belle. Regarde à ta vie. Regarde-toi dans ton miroir. Je ne suis pas ici pour juger. J'ai connu moi-même ces moments de survie. Moi, ce n'est pas la fuite. Ce n'est pas le figement. Moi, c'est la lutte. J'ai été dans la lutte pendant très longtemps. Je luttais pour me prouver que je suis en vie. Je luttais pour me dire, je ne vais pas mourir dans cette situation. Et quand je parle de mort, je parle de mon destin. Je ne vais pas laisser mon destin mourir. Je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher à la vie. Et il y a une situation, je vous la raconterai peut-être dans une autre vidéo. J'ai été internée pendant un mois. Les deux premiers jours de mon hospitalisation, j'ai reçu une offre de travail. Parce que j'étais en congé maladie en fait. Mais j'ai reçu une offre de manager en entreprise. J'étais en mode de lutte. Je m'accroche. Et dans ce mode, tu te bats pour rester en vie. Pour celles qui sont dans la dynamique figée, c'est celles qui sont dans le social pendant longtemps. On vous poursuit comme on poursuit des sorcières. On ne comprend pas que ce n'est pas parce que vous manquez de potentiel. Ce n'est pas parce que vous manquez de rêve ou de désir de vous profiler d'une autre façon. Mais c'est parce que vous êtes dans la paralysie. Votre cerveau est dans la paralysie. Ceci n'est pas une insulte, c'est un constat. Et pour celles qui entretiennent la dynamique de la fuite psychologique, elles ont choisi de se mettre avec des hommes. Des hommes qui sont comme des béquilles, des solutions alternatives, même si ça ne se passe pas bien. Pourvu qu'elles soient là, let me get my shoes. Pour elles, ces chaussures, c'est cette relation de stabilité, de sécurité, l'instinct de survie. On ne peut pas réaliser un destin étant dans l'instinct de survie. Ce n'est pas possible, mes belles. Même pour celles qui sont dans la lutte, comme je l'ai été avant. Tu me diras, pourvu que je réussisse, pourvu que je porte des fruits, mais je vais te dire, il y a un niveau que tu ne vas pas atteindre dans la réussite, surtout si tu es en Occident, et même en Asie, je t'assure. Parce qu'à un certain niveau, il y a ce qui compte, et c'est le charisme authentique. C'est un charisme qui est serein, qui est paisible. Si vous regardez aux riches, par exemple, je parle des riches riches, surtout quand on parle de old money, ceux qui savent ce qu'est la richesse. Et certaines personnes aussi avec un certain leadership. Autour de la table, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. C'est des gens qui écoutent les autres. C'est des gens qui permettent aux autres de prendre le podium. Et à ce niveau-là, ma belle, tu ne peux pas accéder. Parce qu'à ce niveau, ne sied pas la brutalité, l'agressivité. Là-bas, on ne lutte pas. Là-bas, on se manifeste en toute sérénité, en toute confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Donc, ce que je te conseille, ma belle, dans cette vidéo, c'est que tu te regardes dans le miroir et que tu comprennes dans quelle dynamique tu te trouves vraiment pour réussir dans la diaspora. La santé mentale est importante. Ne néglige pas la thérapie. Ne néglige pas de t'asseoir avec quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'accompagner pour comprendre quel est ton mal, quel est ton niveau de blessure, afin que tu sortes de là. Le président Donald Trump, c'est un leader de toute façon. Il est passé par toutes sortes de troubles dans la vie pour être la personne qu'il est. Donc c'est quelqu'un qui est conscient de ce qui s'est passé chez lui. Mais certains d'entre nous, nous ne sommes même pas conscientes des blessures neuronales qui accompagnent notre semblant de réussite. La belle diaspora, j'espère que cette vidéo va conforter, réconforter et parler à quelqu'un, à une belle dans la diaspora. Avant de te laisser, je vais te demander un service. Si ma vidéo te parle, je souhaite que tu ailles sur Facebook pour t'abonner sur la page de l'émission « Les femmes prennent l'arène ». C'est une émission de la belle diaspora sur la radio Mara FM en Belgique. Quand nous avons atteint 100 abonnés sur Facebook, cela nous aidera à diffuser nos émissions en live, ce qui fait que la communauté Facebook de cette émission va en profiter. Si tu souhaites m'aider, cela me fera énormément plaisir. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse pour cela.
Et pour tout, bien sûr, quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.